Bah, à ce niveau-là, au niveau de l'organisation. La PPG, l'association des pêcheurs plaisanciers de Guyane, vous remercie de votre venue, c'est chouette. On était 96 pêcheurs, si je ne m'abuse. 98 pêcheurs. C'est beau, c'est beau. On est content. Il y avait du poisson pour certains, pour la plupart. Pour d'autres, comme moi, pas des masses, mais c'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une association de pêcheurs, hein, d'accord, on est basé, on a un petit local au Dégrat des Cannes, on fait un championnat de surfcasting tous les ans. Donc là on va faire l'assemblée générale de l'association dans pas très très longtemps. Et bien s'il y a des gens qui ont pris goût, qui ont envie d'en faire un peu plus, d'un peu plus se tirer la bourre, faire la compétition et tout, sachez qu'on a un championnat, 6 ou 7 ou 8 manches par année, à date fixe, etc. etc. Généralement sur différentes plages, que ce soit ici, Caristan, Zéphyr, etc. etc. www.appg.org. Faut payer en plus l'abonnement. Il y a une petite cotisation, normal, normal. C'est aussi ce qui vous permet aujourd'hui, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir vous remettre quelques lots, etc. etc. Ça demande un petit peu d'investissement, tout ça. Il y a quelques motifs. Faut savoir aussi que nos, systématiquement, nous nous sommes affiliés FFPM, Fédération Française de Pêche en Mer. Donc, on participe finalement au championnat de France. Nos meilleurs concurrents ont la possibilité tous les ans de partir en France
pour représenter l'association sur le championnat de France. Et si à l'issue des championnats de France, ils sont super placés, ils avancent, etc. Cette année, on a eu la chance d'avoir Eric Ribas qui est là et Damien Ménard qui nous ont repris. C'est qui, c'est malin. On veut voir, on veut voir qui c'est. Qui, c'est malin, c'est qui. On veut le voir, c'est qui. C'est qui, des gens parmi nous et qui ont fait de très bons résultats, voilà. Et ça, c'est par exemple des choses que le club prend en charge de manière intégrale, c'est-à-dire qu'on paye le billet d'avion, on paye les appâts, l'hébergement, etc. etc. Et ça, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Voilà. Ah, mais nous, on voudrait voir les personnes quand même. Alors, donc, on voudrait voir les personnes quand même. Ils nous disent, il est blâmé. Eh bien, vous en avez un là avec le chapeau et l'autre avec la casquette là. Il est blâmé, Damien. Voilà. Pourquoi les voir quand même. Big up. Big up, big up. Ceci étant dit, merci à tous de votre participation. Qu'est-ce que je crois, il est grand temps maintenant, après le petit coup, machin, j'espère que ça a été au niveau des boissons. Je crois qu'on a. Il manquait un peu de bière, mais bon, voilà. Il est grand temps de remettre un petit peu le palmarès. Donc ça a bien pêché, hein. J'ai pas fait le total des poissons, vous m'excusez parce que j'étais dans les comptes, il y a encore jusqu'à 1 minute 30 là. En tout cas, vous avez tous compris que le poisson fétiche aujourd'hui c'était... Ouais. Voilà. Bon, bon, déjà vous avez suivi, c'est bien. Il y avait des raies, Jean-Louis. Ah bon, personne ne me l'a dit. Donc de la raie en pagaille, de la raie en pagaille. Et la plus grosse raie, du coup, je vais commencer comme ça, c'est-à-dire qu'on tient à remettre le prix du plus gros poisson. D'accord. La raie la plus grosse qui a été prise a fait 14,810 kg. Voilà. Et donc c'est l'équipe, alors il faudrait qu'on me le précise, mais c'est l'équipe Roux et Rodrigue qui empochent le prix du plus gros poisson. On peut les applaudir. Rodrigue, un prix du meilleur poisson, c'est-à-dire un petit bon d'achat. Vous savez qu'on a des partenaires qui sont nos détaillants pêche préférés. Et tu as également gagné. Il faut donner les noms des sponsors. On verra par la suite qu'ils sont pas si mal classés que ça parce qu'ils n'ont pas pris que ça. C'est la PPG. Non. Il faut donner les noms. On a des sponsors, on a aussi surtout on a des partenaires. Quels sont nos sponsors? On a Guyafut, on a Matlock, on a SGM par exemple. Et on a, comment Vito. Ça s'appelle, Egg, qui est aussi une entreprise, c'est-à-dire Vito. Vito. Voilà. On les remercie. On n'avance pas. Hein. Ensuite, nos partenaires ont fait des gestes pour ceux que vous trouverez, pour ceux qui auront l'opportunité de saisir des bons d'achat chez Boyer, chez Tony, Chasse et Pêche, etc. etc. Bravo, tu vas faire la fumette des ça. Pardon ? Il y a des verres là. Ouais. Bon, alors au niveau du classement, je vais pas m'embêter parce que c'est déjà assez compliqué ma feuille de score. Donc, termine premier et plutôt pas trop mal avec 47,610 kg de poisson. Hein ? C'est pas du Michelot qu'ils ont pris non plus eux. L'équipe Cotenso-Garo, bravo ! Allez les gars, bien joué ! C'est bien les gars, vous faites honneur, c'est bien. Écoutez, vous êtes les premiers, donc je ne sais pas si vous avez regardé tout ce qui s'offrait à vous. Donc les lots généralement sont en double. Donc regardez un petit peu et puis faites votre choix rapidos. Il y a des bons d'achat de 10 ou 15 euros. Et les gars, il faut les premiers. Ah, c'est les voisins. Oui, voilà. Ils sont où les poissons? Attends. Ils n'ont pas les poissons, ils n'ont pas les poissons. Ouais. Et ouvrez la mienne. Un petit mot pour Guyane Pêche, c'est vrai que ces gens-là supportent un forum que vous connaissez peut-être, auquel je contribue, qui est très très bien. Il y a plein de choses à apprendre, donc voilà. Vive la pêche en Guyane, vive Guyane Pêche. Yes. Bravo. Merci. Bravo.